Alors, pour cette émission spéciale remise des prix, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Luc Boire, qui est le maire et président de la communauté d'agglomération de La Roche-sur-Yon. Alors, je vous laisse la parole pour un petit mot avant qu'on attaque cette émission de la soirée. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir que de vous avoir à La Roche-sur-Yon pour cette 8e édition. C'est un grand rendez-vous du printemps pour l'ensemble de la communauté du robot à La Roche-sur-Yon. Vous savez que La Roche s'inscrit pleinement dans le robot avec plusieurs sociétés, dont un des co-leaders mondiaux de la robotique CEPRO. Et c'est toujours un grand bonheur, parce que je dis toujours que lorsqu'on arrive ici, on a l'impression qu'il y a un nuage de matière grise qui survole l'ensemble de la fête. Et ça c'est super chouette. Et puis avec des événements comme celui-ci, eh bien c'est toute la jeunesse étudiante sur les technologies, sur tout ce qui touche aux nouvelles technologies, qui est la bienvenue, avec à La Roche-sur-Yon des sites qui sont complètement dédiés à cela, à la Malboire, avec un lieu où les écoles se construisent et viennent chez nous, et puis un autre lieu sur l'ancien site Michelin, à Tinéa, où vous allez pouvoir développer votre inventivité pour tout ce qui concerne l'énergie décarbonée et puis les mobilités innovantes. Alors, soyez les bienvenus. Vous êtes à La Roche-sur-Yon, vous êtes chez vous. Je vous souhaite une très belle fête de Coupe de France Eurobot. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil depuis de nombreuses années, puisqu'effectivement, je ne l'ai pas rappelé, nous sommes en direct de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup. Et merci Sabi pour le micro. Alors Sabi, tu es animateur scène, les micros ça te connaît en tout cas? Oui, animateur scène, les micros ça me connaît. Choisis-en un et puis... Et donc d'ailleurs... Alors Sabi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tranquillement par faire un petit récap de la journée. Donc, d'accord. Sur la journée, toi, tu as fait quoi aujourd'hui? Alors, moi, sur la journée, j'ai présenté les séries, la première et la seconde série de la Coupe de France de robotique junior, qui a ouvert donc ses portes aujourd'hui au public des plus jeunes. J'en ai profité aussi pour faire la présentation de la 4e série de robots. Et donc, une série qui s'est très, très bien déroulée. Une série où on a vu encore de très bons scores, de très bonnes équipes, parce que forcément, à la 4e série, les équipes ont changé de stratégie afin de pouvoir maximiser les chances d'avoir le plus de points possible, que ce soit en stratégie défensive en allant bloquer le robot adverse ou que ce soit en stratégie offensive en mettant le maximum de points possible. Alors effectivement, oui, on a dans plusieurs concours simultanément. Tu as parlé de la Coupe de robotique junior. Alors je vais citer les équipes qui sont en tête du classement, parce que là, le but, pour l'instant, c'est vraiment de marquer le plus de points possible pour les équipes, pour après se retrouver en phase finale. Et puis après, on passera avec l'équipe qui vient de nous rejoindre sur le plateau pour effectivement faire cette remise des prix, puisque c'est le but de la soirée. Alors, au niveau des équipes juniors, Sabi, moi, j'ai noté qu'on avait les trois équipes en tête suivantes. Donc, l'équipe Sweet Robots, qui avait 90 points. L'équipe des Vertagourmands qui avait 111 points et l'équipe de Stormbreaker avec 113 points. Donc il n'y a eu qu'une série de coupes juniors pour l'instant, c'est ça? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule série de coupes juniors qui a été comptabilisée dans les points. Comme je vous ai dit, dans la coupe junior, il y a des équipes qui ont très bien compris le fait que cette année, on a l'avantage de pouvoir aller récupérer les gâteaux qui ont été faits par les autres équipes. Et donc, il y en a qui ont fait leur stratégie de manière à faire, eux, leur propre gâteau. Ouais. Et ensuite, vers la fin du temps réglementaire, aller récupérer les gâteaux que les autres équipes ont fait. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des scores tels que 113, 111, ou même 80 pour des équipes de jeunes enfants. Sur les juniors, ce serait des séries de juniors
ça reste très, très, ce sont des scores qui sont très très élevés, qui même pour la coupe normale sont des scores qui sont très hauts et très peu d'équipes peuvent faire. C'est au-delà de ce qu'on voit dans les autres concours, effectivement. Et sur les juniors, du coup, ils en sont qu'au premier. Donc on est, comme c'était le premier, la première série, ça veut dire qu'il y a eu des matchs à 113 points. C'est vraiment, vraiment beaucoup de points. Effectivement, ce que tu racontes aussi sur le fait d'aller chercher les points dans l'équipe adverse, on en a pas mal parlé lors de l'émission sur le règlement que je vous invite à aller consulter. C'était une émission très intéressante qui était hier. Alors, au niveau des seniors, du coup, là, on était à la fin de la quatrième série, c'est ça ? Donc, il en reste plus qu'une série demain matin ? C'est ça. Il reste une série de robots pour demain matin. Donc, pour cette quatrième série, donc, on a vu énormément de stratégies différentes. On a vu des équipes plutôt qui sont allées, qui ont plutôt fait une stratégie plutôt défensive pour avoir une chance d'être qualifiées dans les phases finales, qui sont allées plutôt bloquer les équipes adverses qui sont potentiellement qualifiées ou qualifiables suivant le tableau qu'il y avait. Et donc voilà, ça fait partie des stratégies, ça fait partie du jeu. Et puis voilà, on s'est retrouvé avec beaucoup de matchs où des robots allaient bloquer d'autres robots pour justement l'empêcher de faire de récupérer les points, de récupérer plus de points et de les dépasser dans le classement, d'aller beaucoup trop loin dans le classement. Malheureusement, j'ai pas envie de dire c'est ni bon ni mauvais, ça fait partie des stratégies, ça fait partie des coupes. C'est aux équipes de trouver une solution pour éviter de se faire bloquer par d'autres robots qui se trouvent à côté, ou d'avoir une vision globale du plateau de jeu. C'est un peu aussi pour ça la coupe. C'est pour ça que toutes ces écoles d'ingénieurs sont dans la recherche. Bon, je suis plus dans la partie du je mets le maximum de points possible plutôt que je vais empêcher l'autre de faire des points. Moi, je trouve ça pas trop fair play, mais ça reste une stratégie. C'est ce qu'on appelle une stratégie défensive. Ouais, après, ce qu'on voit aussi, c'est que cette année, le nombre de points qu'il y a à prendre sur la table, il est limité. Donc, en fait, on est obligé à un moment de les prendre, parce que sinon, on n'en gagne pas assez des points, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un nombre de points fini sur la table, quoi. Alors, au niveau des résultats, du coup, donc la Coupe de robotique senior qui a joué aujourd'hui, les équipes qui sont en tête, les deux premières sont toujours les mêmes. En troisième position, on a Mechapitronic qui a 273 points, donc eux, je pense qu'ils viennent de remonter dans le classement. En deuxième position, alors là, c'est un peu plus classique, RCVA, 289 points. On est assez serré entre le deuxième et troisième. On a 16 points d'écart. Et l'équipe VRAC en tête, du coup, avec 381 points. Là, ils ont 100 points d'avance. C'est énorme. Hein. C'est presque un match entier d'avance. Bah, on l'a vu, hein, on l'a bien vu tout au long de cette tout au long de cette compétition, l'équipe de VRAC qui a su s'adapter aux stratégies adverses, que ce soit les stratégies défensives, elle a su contre-attaquer, trouver des solutions afin de pouvoir récupérer son maximum de points. Elle a fait des scores à 3 chiffres sur les 4 séries, sur toutes ces séries. Donc on s'étonne pas qu'aujourd'hui elle est largement en tête. Et c'est une équipe qui s'est vue à la deuxième série, qui s'est vue voir son robot bloqué, qui n'a pas voulu recommencer ça. Et on l'a vu à la troisième, à la quatrième, changer de stratégie afin de trouver une solution de pouvoir se retirer du blocage adverse et aller continuer de grapper des points. Parce que, comme tu l'as annoncé, Arthur, le comptage des points est limité. Dans cette compétition, dans cette série, on peut pas aller au-delà d'un certain nombre de points. Et bah, le seul moyen d'y arriver, c'est soit de trouver une solution de contre-attaquer, soit d'aller bloquer le robot adverse afin de pouvoir l'empêcher de marquer plus de points que ce qu'il en a. C'est ça. Et ça se joue maintenant parce qu'ils sont à leur quatrième série. Ils n'ont plus qu'une série pour marquer des points. Le but étant bien sûr d'être dans les 16 premières équipes du classement pour pouvoir passer sur les équipes de... la deuxième partie avec les phases finales. Alors, au niveau de robot, du coup, c'est à peu près similaire les points. On a deux équipes qui sont assez proches. En troisième position, MyRobotics, l'équipe d'Allemagne. En deuxième position, l'équipe DIT Robotics, l'équipe de Taïwan. Et en première position, Team Dynamics, l'équipe autrichienne, avec 391 points, donc qui a aussi 100 points d'avance sur les autres.
le programme de la soirée. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour le reste de la soirée? On va avoir un barbecue qui est organisé par l'équipe d'Evolutech, qui est du coup ouvert à tous. Donc, tous les participants qui sont à La Roche-sur-Yon vont pouvoir aller profiter du barbecue en extérieur ce soir. Et puis, un événement ce soir, la coupe-off. C'est un événement, du coup, Sabi, où toutes les équipes vont pouvoir se retrouver dans un moment un peu décontracté, quoi. Ah oui, décontracté, festif et joyeux. La coupe-off, c'est le moment où on décompresse pendant la coupe. C'est notre moment de décompression, que ce soit entre l'organisation, que ce soit avec les équipes ou les partenaires. Tout le monde se rejoint ensemble pour vraiment un moment festif. On est là, c'est vraiment participer à la vie de la coupe et pour passer un bon moment tous ensemble. Il y aura aussi pendant la coupe et pendant la coupe off et pendant le barbecue, il y aura aussi une communication au stand radio avec la station spatiale internationale à 20h10. Donc ici à La Roche-sur-Yon, on pourra communiquer avec la station spatiale internationale à 20h10. C'est quand même quelque chose d'assez énorme. On va en communication radio. Donc voilà pour le programme de la soirée. À ne pas rater dans la soirée. Alors, on va pouvoir attaquer cette remise de prix. Donc nous avons, on va commencer avec les prix à remettre aux équipes Eurobot. Donc on remet des prix ce soir. Donc il y a eu un jury, on va en parler tout de suite après. Il y a eu un jury qui a rencontré beaucoup d'équipes, qui a pu discuter avec les équipes, qui a pu analyser les robots et qui a, sur différentes thématiques, du coup, décidé de remettre 4 prix. On va remettre 4 prix pour les équipes Eurobot et 4 prix pour les équipes de la coupe de robotique. Au niveau alors de l'Innovation Award, on va commencer avec l'Innovation Award. Donc du coup, nous allons remettre ce prix. C'est toi qui as les prix, Sabi ? Bien sûr. Alors le prix l'Innovation Award que je remets tout de suite à l'équipe RCR qui nous vient de Suisse. Voilà. Dans le public, alors, vous pouvez applaudir. Vous êtes plutôt francophone ? English is better. We are from the German speaking part. English is better for you. So now RCR team, we got the Innovation Awards prize for this year. And Ray, thanks for you for your Innovation prize. Thank you very much. For your bot, for your robot. So just tell us a little bit what's the innovation you did in your bots. The special thing on our robot, can you take is the brush to take the cherries in the front here. Yes. We have a roll with 4 brushes, and we can take all 10 cherries of the support at one time. Keep it in the robot, and with a blower we bring it up to the top. Okay. And so we are very fast to take the cherries. And makes this robot powerful to score points. Yes, yes, of course. And another innovation you did for take this prize of the innovation? For you, the machinery for counting the cherries inside the basket? Yeah, maybe? Yeah, yeah. our basket, we use electronic scale to count the cherries at the inside. We thought, take it as simple as possible. So we are looking around what is already available. And then we found this electronic scale. And we added the interface to send the points to the robot. And we do it via infrared. Okay, so you switch the information of the weight between a number. This is 1 or 2 or 3 of 20. It's correct, it's writing correct. There. Yeah. So you just made a commute there for scale. Yeah, and make the difference between the weight and the number of cherries. Yeah. Okay, so thank you for your innovation. You take a big innovation, that's why you got that prize. That's why thank you very much. The jury thanks you for your prize. Okay, thank you. RCR. And I hope to see you tomorrow for a better tomorrow morning for the fifth and for the finals too. Yeah. Why not? Yeah. Thank you, RCR. Thank you. Thank you.
Voilà, donc on a remis le prix de la communication, pas de la communication, pardon, le prix de l'innovation à l'équipe RCR, qui est une équipe suisse, Sabi, et qui a cette fameuse balance, du coup, qui a beaucoup plu au jury. Alors, c'est une balance classique, au final, hein, mais ils ont bien intégré ça dans le reste du robot, quoi. Bah, c'est une balance non seulement qui est classique, mais d'autre part, la balance récupère l'information du poids, la met dans un codeur qui transforme cette information de poids en nombre numéraire. Le nombre de cerises. Le nombre de cerises qui se trouvent. Et donc, c'est pour ça, c'est cette innovation-là qui a plu au jury, le fait de récupérer l'information du poids des cerises qui sont incluses dedans et de la retransformer par un numéro numéraire qui donne le nombre de cerises exact. Voilà. Alors, on va passer du coup au deuxième prix. Donc, il s'agit du prix de la communication qu'on va remettre à l'équipe qui vient de nous rejoindre. Donc, de la communication, il est pour l'équipe qui vient de Taïwan, l'équipe DIT Robotics. Yes. So, thank you for joining us. DIT Robotics. DIT Robotics, we saw you. You are one of the leaders of that Eurobot. You are on the top. So, thank you for the pleasure you give us for your match. What did you in communication for take this prize? Why the jury decided to give you this prize of the communication? Okay, so for our team, we will have the two different departments, and the one I'm responsible for is the public relations and the administrative departments. And for this two departments, there are some important things for us to do. And first of all, we have to record the daily life of our team. And like, we will take the photos and record the videos. Then we will post it on the Instagram, on the Facebook. And secondly, we will design the propaganda. Like the flyers, the stickers, the folders, and so on. So above all, these two things is to let more and more people get to know about DIT Robotics. And the last and the most important thing is, as you know, we have lots of members in our teams. And it is so important for us to raise the money. And usually we will contact with a company which highly related to our future development. And we will send them the emails and we will talk about the details for about like what we need. Maybe it's money, maybe it's a product of their company. And we will visit the company and or even have the presentation for them. And what's more, the most special thing is we will together hold the summer camp for the children. We hope by doing so, we can give back to the society. Okay, thank you. So you're really present in social network. That's why. This communication. So a lot of communication on your team. Thank you very much. Thank you. Congratulations for the prize on the communication part. And congratulations for being here and for the robots. Thank you so much. And congratulations, because every year you are on the three first to the classmen, to the final final result. You show only if you are not the first, you are second or third every year. So as long as present you, Robert, as long as you are on the top. So thank you for you. Thank you so much. You're welcome. Voilà, donc ce prix de la communication remis à l'équipe, c'est DIT Robotics ou DIT, on dit en français. DIT Robotics. Voilà, donc on les félicite encore une fois et on va pouvoir accueillir l'équipe pour le prix de la créativité qu'on va pouvoir remettre dans quelques instants. Alors, on va en parler un peu plus de ces prix juste après. Là, on est plus... sur la partie on voit les équipes en live, mais dans la deuxième partie de l'émission on recevra une personne qui a participé au jury et qui pourra nous en dire beaucoup plus sur les choix des prix.
Et oui, donc maintenant, pour ce prix de la créativité, le jury a donc décidé de les donner à l'équipe Garins Metallics. Garins Metallics. From Spain. Équipe espagnole. So, congratulations on this prize. Thank you very much. On creativity, on the Creativity Award. One of the reasons for the award that the jury wanted to mention is that your robot has very vivid colors. It's the colors of Spain, right? Well, yeah, we have two versions, because as the robot needs to have this gear at the end of the match, we have this first... la demo. This is this gear, so it's like the flag of Catalonia, Spain. And then we have the rainbow. That's like very visual and very colorful, so it's like good to see during the match. And at the end of the match, it changes the color, so to change it as it gets. And although we have lots of colors and beautiful ornaments on the robot, we can still see the inside of the robot. We can still see the electronics, because it's a transparent casing here, right? Exactly. We saw that with transparent cases, we can see better also if there's anything that's not perfect in our robot, so if there's something that's unplugged or something like that. And also it gives a very, very good scene, a very look very fashion, our robots. And and if you want, I can a little bit explain as you want. I think it's good. thank you very much. Thank you for the explanations on the creativity part. So you have your prize to bring back home. You'll continue the contest tomorrow. Yeah. And we'll continue with the other prizes. Thank you very much. Thank you very much. And have a good evening. Thanks. Soirée importante ce soir. Eh oui, soirée importante ce soir. Comme nous vous le rappelons, ce soir donc pour le barbecue organisé par l'équipe Evolutech, pour la communication radio avec la Station Spatiale Internationale à 20h10 au stand radio. Pour la coupe off aussi. La coupe off aussi, beaucoup d'événements nous attendent. Nous sommes loin de nous coucher, Arthur. C'est pas ce soir, c'est la semaine prochaine ça qu'on dormira. Alors on va continuer les prix, il nous reste un prix à remettre aux équipes Eurobot. On va remettre le prix de la médiation, Sabi. Est juste là, ils sont en train de nous rejoindre. Et il s'agit d'une équipe tunisienne. Eh oui, Eurobot, comme on le dit, c'est une compétition internationale. On vient de remettre un prix à une équipe suisse, un second à une équipe de Taïwan, un troisième à une équipe espagnole et maintenant à une équipe de Tunisie. Voilà à quel point c'est ça Eurobot, c'est ça l'esprit de la coupe. Donc voilà, le prix de la médiation est donc donné à notre équipe qui nous vient de Tunisie et qui est francophone. Donc voilà, je vous donne ce prix de l'innovation. Voilà pour vous à l'équipe RAS INSAT. Alors c'est le prix de la médiation qu'on vous remet. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place comme événement dans l'école qui ont permis de promouvoir la médiation autour de votre projet? Merci à vous. En fait, en tant qu'association I3RAS INSAT, on assure toujours des formations, que ce soit pour les jeunes étudiants, que ce soit pour les jeunes lycéens, que ce soit pour les jeunes collégiens. On essaie de démocratiser l'accès à la robotique, en fait, grâce à notre petite expérience, grâce à la passation qu'on essaie toujours de faire, une passation qui semble être difficile, mais à la fois nécessaire afin de contribuer à la communauté de la robotique en Tunisie et à l'INSAT. Plus spécifiquement, je voudrais bien adresser à tous qu'à nos frères Aerobotics INSAT, c'est la deuxième équipe de l'INSAT qui est qualifiée, mais malheureusement, pour des problèmes de visa, pour des problèmes logistiques, n'ont pas pu être là. Un petit coup de cœur à nos frères Aerobotics INSAT. Inch'Allah, l'année prochaine, on serait les deux, Inch'Allah, ici pour représenter et bien représenter la Tunisie. Je l'espère. Aerobotics qui était avec nous l'année dernière. Oui. Et qui était même sur le plateau, qui était présent sur ils le plateau. Ils sont venus, on les a interviewés sur le plateau. Ils avaient déjà le drapeau. Hein. Ils avaient déjà. Et avec leur robot, je me rappelle de leur robot Nembri sans souci,
qui faisait tout son score sans problème. Je me souviens de cette équipe. Et malheureusement, qui, comme il l'a dit, pour des problèmes d'organisation et de visa, c'est toujours compliqué à mettre en place tout ça. Voilà. C'est les aléas de l'international. C'est les aléas des compétitions internationales. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup et félicitations pour le prix. Merci à vous pour la médiation que vous apportez. Un petit mot supplémentaire, peut-être. Donc, je veux m'adresser à notre ami, à notre membre d'équipe, Ahmed Echilif. Je lui dis bon courage dans tes examens. Il n'a pas pu être avec nous malheureusement pour des problèmes de papier. Je m'adresse à lui. Bon courage tes examens. Voilà, on vous remercie. On les applaudit, on fait la photo pour ton travail. Et t'es toujours avec nous, Bohmid. Et voilà, merci à vous. Merci à l'équipe donc I3E Ras Insat qui nous vient de Tunisie. Et d'ailleurs, merci pour votre prix de la médiation. Merci pour faire découvrir la robotique aux plus jeunes, aux générations futures. C'est pour ça qu'on est là aussi, Arthur. Moi, je le vois très bien. Moi, je le vois très bien pendant toute cette coupe, depuis le temps que je fais la coupe. Ça fait quelques années déjà. Ça fait combien de temps que tu fais la coupe? Alors, viens ici. Hop, on a une logistique un peu compliquée sur le plateau ce soir. Vous avez vu que c'est plus compliqué que d'habitude. C'est beaucoup plus facile quand tout le monde est assis à sa place et que ça bouge pas trop. Là, aujourd'hui, on reçoit beaucoup de monde, donc on n'a pas pu se mettre sur toutes les places. Mais on va arriver à faire tout ce qu'on va à faire. Sabi, t'en es où du coup? C'est fini pour toi? Bon, merci Sabi en tout cas pour ton aide sur la remise des prix Eurobot. Et on va passer des prix Eurobot au prix de la coupe de robotique senior. Et du coup, c'est pour cela que Vi m'a rejoint sur le plateau. Alors Vi, tu as le t-shirt d'arbitre, hein, donc manifestement, tu es arbitre, bénévole arbitre. Qu'est-ce que tu as fait du coup pendant la coupe en tant qu'arbitre? Voilà. Si tu peux parler, je pense. C'est OK? Ou un autre? Est-ce qu'on a un autre micro qu'on peut donner à Virginie? Hop là. Je lui donne le micro 2. OK. Je pose ça là et je le mets en off. Alors ouais, pour répondre à ta question, nous parler de la... Donc, arbitre, ça veut dire quoi? Ici à la coupe, ça veut dire au moins deux activités. Ça veut dire en amont des matchs, l'homologation. Ça veut dire vérifier que les robots ils respectent bien à la fois les mesures qui sont prévues par les règles par le règlement. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça va être au cours des matchs, s'assurer de la sécurité physique des tables et des personnes et comptabiliser les points. En gros, ça va être ça. Et alors pendant ce temps-là, tu as quand même trouvé le temps d'être membre du jury? En fait oui, on m'a un peu recrutée de force, j'avoue. J'étais un peu étonnée d'être là parce que moi à la base je suis pas spécialement technicienne, moi je suis juriste et donc je me suis retrouvée en jury technique avec souvent en binôme avec toujours un technicien et du coup on avait deux regards un peu différents sur les équipes. Et du coup, c'est ce que tu m'avais dit, c'est que c'est des binômes qui vont du coup définir. Vous avez chacun vu toutes les équipes ou... Alors, on n'a pas vu toutes les équipes. Il y a eu différents binômes qui ont été constitués. Moi, j'ai vu une bonne dizaine d'équipes, je pense. C'est déjà pas mal, ouais. Moi, en tout cas, ouais, c'était hyper diversifié en plus. Alors, est-ce que tu as vu l'équipe qui est là avec les t-shirts blancs? Alors, les t-shirts blancs, je ne les ai pas vus. Par contre, les t-shirts orange de derrière, je m'en souviens très bien. Ah, ceux-là, tout le monde les connaît, je crois. Alors, on va faire rentrer la première équipe pour remettre le premier prix. Ce premier prix, on l'a remis tout à l'heure, du coup, dans les équipes Eurobot aussi. Ouais. C'est le prix de l'innovation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce prix de l'innovation? Alors le prix de l'innovation, ça vise vraiment à récompenser l'originalité et l'efficacité technique dont le robot démontre. Et voilà, vraiment l'objectif, c'est en termes de performance technique et surtout aussi de démarche un peu de recherche. C'est vraiment ça que ça vise à récompenser. Alors sur le prix en question, ceux qui ont un bon regard vont l'avoir vu sur vos t-shirts. On va le remettre à l'équipe qui s'appelle Crénim. Hop, alors je vous remets le petit prix. Okay, et merci.
Ce prix, du coup, vous a été remis par le jury globalement parce que votre robot a une mécanique qui a été jugée d'exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la mécanique de ce robot ? Nous, on est dans une école qui fait principalement de la mécanique. Du coup, on a mis beaucoup de notre temps là-dessus. On a mis en œuvre une pince à serrage concentrique à l'avant. Ça nous permet d'avoir la certitude de la position du robot quand on fait l'appréhension des gâteaux. On a mis en œuvre à l'arrière aussi un canon pour tirer les balles. On a fait du rétro-engineering de nerf. On a démonté un nerf pour voir comment c'était fait. Et on a copié un peu le système. Et ça nous permet de tirer 6 balles d'un coup dans un panier. Donc, trop classe. Les balles des cerises, là, c'est des balles qui viennent de nerf. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on on s'est inspiré de ça. Après, on a aussi mis en œuvre un costume pour le changement d'apparence. Ouais. Donc, avec des bras qui retiennent. Un costume 4 pièces qui recouvre l'entièreté des faces du robot. C'est littéralement un costume, là. Voilà. Alors, du coup, c'est l'équipe Crénim. L'école est à quel endroit ? On est à l'ENIM, du coup, l'école nationale d'ingénieurs de Metz. De Metz, ok. Bah écoutez, bravo pour ce prix de l'innovation, bravo pour la mécanique de votre robot. Je vous laisse passer, je ne sais pas si on veut faire une photo au bout avec le robot. Et puis nous, on va continuer du coup sur le prix suivant. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et passez une bonne soirée. Merci. Alors Vi, le prix suivant, c'est le prix de la communication. Ouais. Et c'est l'équipe que tu connais. Et celle-là, effectivement, je l'ai eu, cette équipe. Qui va faire à manger ce soir, je crois. Ah, trop bien. Il n'y avait pas le prix cantine, mais voilà, il y a le prix communication. Et pour le coup, le prix de la communication, l'objectif, c'est de récompenser voilà, les équipes qui vraiment ont mis, puis ont fait un effort sur toute la diffusion et la mise en valeur vraiment des réalisations qu'ils ont faites. Et pour le coup, niveau Evolutech, on était vraiment pas mal là-dessus. Alors, ouais. Le prix de la communication, je crois qu'en plus... c'est pas la première fois, donc il y a vraiment un gros effort sur l'équipe d'Evolutech. Vous avez fait des actions à la fois sur les réseaux sociaux et puis globalement autour du projet toute l'année, c'est ça ? Exactement. Et puis même autour du stand aussi, enfin il y a vraiment une appropriation qui est sympa. Ouais, et puis en plus ils font le barbecue ce soir. C'est gentil en tout cas d'avoir pris le temps pendant cette soirée qui est quand même critique pour vous d'être venu sur le plateau pour récupérer le robot et enfin récupérer le prix et nous montrer le robot. Parfaitement, bah merci à vous déjà, enfin, on remercie le jury pour ce prix. Effectivement, donc, on organise tous les ans un barbecue donc, qui est gratuit pour toutes les équipes. Donc on est très flattés de recevoir ce prix de la communication. C'est quelque chose sur le... Enfin, on aime, personnellement, c'est quelque chose sur le... C'est la chose sur laquelle on a mis l'accent cette année. Donc voilà, on peut vous montrer notre robot. On peut aussi remercier notre partenaire principal qui est Exotech, bien sûr. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous remets le prix. Je le remets après parce que comme ça, ils n'ont plus les mains prises. Merci. Amélioration continue. Voilà, on peut les applaudir. L'équipe Evolutech. Ah, et j'avais noté également, c'est vrai que ça vaut le coup de le citer, le code du robot est public. Oui. Démarche open source. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même, très bien dans un concours, en fait, dans un truc qui pourrait être compétitif, de se dire non, mais nous, on va mettre notre code public. Ouais, bravo. C'est un choix qu'on a fait effectivement parce que on trouvait ça plus pratique et du coup aussi ça permet aux gens par exemple à des gens qui voudraient débuter dans la robotique qui nous ont par exemple vu sur nos stands à la coupe s'ils veulent décider d'aller regarder pour regarder un petit peu notre code, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que notre robot réagit ça peut permettre aussi peut-être de les inciter à démarrer, peut-être qu'ils peuvent s'en inspirer. Voilà. Super cool. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous remercie. Et on va passer au prix suivant, du coup, qui est le prix de la créativité. Alors, le prix de la créativité, tu sais ce que c'est ? Oui, moi je m'en souviens. Le prix de la créativité, effectivement, là, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas les performances techniques, mais est-ce qu'il y a eu une démarche vraiment artistique, créative ? En gros, est-ce que le robot, il est beau, quoi ? Est-ce qu'il y a eu vraiment une démarche là-dessus ? Et donc, pour le coup, on en a eu quand même qui était assez recherché à ce niveau-là. Alors, du coup, l'école... qu'on va accueillir. Il s'agit des étudiants de l'ENAC. Alors, c'est le ENAC Robotique, c'est le nom de l'association et de l'école, en fait, au final. Non, l'école, c'est juste ENAC, et ENAC Robotique, c'est le club. L'ENAC, ça veut dire quoi ? École Nationale de l'Aviation Civile. Très bien. Okay. Et du coup, vous faites aussi des robots. Ça vole pas trop, un robot ? Non, c'est vrai. Mais ça, c'est pas dans le cursus de l'école, c'est une association. Ça, c'est un club, à côté, qu'on fait ça en plus. Ok, et donc aujourd'hui, on vous remet le prix de la créativité que je vais aller chercher. Hop,
le prix de la créativité qu'on remet à ENAC Robotique. Globalement, un robot qui a été très intégré dans le thème de l'année. Qu'est-ce que vous avez comme élément d'intégration sur le robot? Et ben, déjà, on a respecté le code couleur. Donc, on a la recette de grand-mère, on a la base, la crème et, et le glaçage, et la cerise sur le gâteau, déjà. Donc, on a respecté le code couleur. Ensuite, on a remis un tout petit gâteau, une petite figurine qui, pareil, respecte la couleur. Et les cerises, on en a mis plusieurs. Celle-ci, c'est une référence à Portal, avec la citation « The cake is a lie ». Et notre robot, il s'appelle Cooking Mama. Et du coup, on a brodé Cooking Mama, qui, à la place de son gâteau original, elle porte le petit gâteau du logo, en fait. Voilà. Et ben voilà, c'est surtout ça qui fait notre couleur. Très visuel, ouais. C'est sympa la broderie, le retour, oui. le rendu sur le gâteau, le gâteau, le robot, c'est pareil. Très bien. Et ben écoutez, je vous remets ce prix. Merci beaucoup, merci bravo beaucoup. Pour merci pour ce que vous avez fait pour ce robot, du coup qui méritait d'être cité comme créatif. Alors, on peut les applaudir très fort. On vous laisse aller juste au bout pour faire la photo, et puis nous, on va passer. Au dernier prix déjà, le dernier prix qu'on remet pour la Coupe de robotique, il s'agit du prix de la médiation. Qu'est-ce que c'est que ça, le prix de la médiation? T'as plus de batterie? Ah, on va trouver un nouveau micro pour vie, s'il vous plaît. On va arrêter de te confier des micros, je crois, parce que... Attends, je vais prendre celui-là. Est-ce que je peux t'emprunter ça une seconde? Ah, ça y est, il est revenu, garde-le. Est-ce que celui-là marche ou pas? On va essayer, ouais. Ah, on t'entend okay. Beaucoup mieux. Alors, le prix de la médiation, du coup, c'est vraiment ce qui vient récompenser tous les efforts qui ont été faits dans la démarche de partage de la connaissance. Vraiment, c'est ça qui est vraiment important et beaucoup valorisé. L'objectif, c'est de voir, voilà, est-ce que ce qui a été produit, il y a l'idée que ce soit réutilisable par d'autres personnes, qu'il y ait une démarche vraiment de transmission des savoirs et particulièrement vers les jeunes publics. D'où le costume... Archimignon. Costume de Pikachu sur le plateau en direct devant nos milliers d'auditeurs qui sont connectés. C'est très apprécié en tout cas. On leur remet, pardon, plus sérieusement, le prix de la médiation. Il s'agit du club. Alors, du coup, il y a deux écoles là. Il y a l'ENSI et l'ENSI, c'est ça? Deux écoles différentes. Alors, vous avez fait deux clubs. Les deux équipes représentent la même école. Okay. Et du coup, il y a une équipe avec des 4A et une équipe avec des 3A qui sont séparées. Voilà. Ok, donc des étudiants d'années différentes, donc avec un niveau différent, qui oui. sont séparés, mais qui ont travaillé ensemble, ont fait un projet commun de médiation, en fait. Oui, c'est ça. Du coup, les 4A nous ont aidés à un peu à nous apprendre les bases pour faire les robots. Et après, on s'est lancé et on a fait les nôtres. Est-ce que vous avez vu aussi des plus jeunes que des étudiants de l'école, des lycéens, des collégiens? Alors du coup, effectivement, on a participé au Cordée de la réussite. Donc c'est un programme qui permet aux collégiens et aux lycéens de tester des domaines qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de tester à l'école. Et donc nous, par exemple, on a participé pour leur faire découvrir un peu la robotique, donc avec les Lego Mindstorm. Et leur apprendre un peu les bases de l'algorithmique et de la programmation. Donc on a fait plusieurs séances, et c'est ce qui a permis de financer en partie le club robotique durant cette année. Donc une recherche innovante de moyens financiers, mais qui a quand même permis du coup de participer à la médiation auprès de plus jeunes et de leur présenter la robotique. Ça c'est quand même chouette, c'est une super idée de financement en tout cas. Très bien, je vais en profiter pour remercier les membres du jury aussi, parce que j'ai eu des notes qui étaient vraiment très complètes et pertinentes sur les différentes équipes et qui nous permettent de remettre ce prix que je vais chercher pour l'équipe ENSI. Les équipes s'appellent Robotique et Robotac. Voilà, je vous remets ce prix et on peut les applaudir. Il s'agit du prix de la médiation. Merci, merci pour votre présence et merci pour toutes les actions que vous avez pu accomplir cette année, et on espère d'autres années encore. Et ben, merci à vous. Trop bien. Ah.
petit message. Alors c'était du coup notre dernier prix. Il n'y a plus d'équipe, en attente. On a réussi à remettre du coup les 4 prix des équipes Eurobot et les 4 prix des équipes françaises. La suite du programme, qu'est-ce que c'est ce soir? C'est surtout, je le redis, la coupe off avec le traditionnel barbecue et Volutech. T'as hâte d'aller au barbecue, Ville? Pas encore, j'ai hâte. On va y aller dans quelques instants. On voit pas encore trop de fumée dehors, donc c'est qu'on a encore le temps de discuter un peu. Mais pourtant, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Merci aux équipes du coup du jury qui ont fait rentrer sortir les gens. Merci aux équipes techniques pour cette émission assez mouvementée, avec pas mal de mouvements sur le plateau. Je pense qu'on s'en tire pas mal quand même. Pour les gens qui nous suivent, on se retrouve. Du coup, bon, on reste en live là. On continue le live sur Twitch. Vous allez pouvoir avoir des vidéos un petit peu du barbecue là, et surtout de la coupe off pendant toute la soirée. Vous aurez du live pendant la coupe off, on a un stream dédié à ça qui va arriver, je crois que c'est une première. Et puis demain matin, on se retrouve bien sûr pour la suite des séries, les séries de coupe junior, de tout en fait, hein, coupe junior, ouais. Coupe senior et Eurobot. Et puis bien sûr, les finales dans l'après-midi, ça sera notre gros moment. Donc merci d'être resté avec nous jusqu'au bout, merci de nous avoir suivis et passez une bonne soirée. Au revoir, merci et merci à toi. Pas de soucis.